par nos populations vulnérables. Ces citoyens, ce sont des familles, des personnes âgées, des personnes seules, des personnes en situation d'itinérance, en situation de handicap, des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou encore avec des problèmes de santé mentale. C'est important que le gouvernement du Québec soit au rendez-vous avec le programme Accès Logis. Depuis sa création, Accès Logis est le seul programme qui permet la construction de nouvelles unités de logements sociaux et abordables. C'est un programme qui permet de réaliser des projets adaptés aux besoins de nos milieux, mais aussi aux nombreux types de ménages dans le besoin. L'appartement, c'est né d'un projet qui a été monté par des parents qui avaient des enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et puis, le grand souci de plusieurs parents, c'est à l'âge adulte, que va-t-il arriver à mon fils ou ma fille? Où va-t-il vivre? Est-ce qu'il va pouvoir vivre de manière autonome? Est-ce qu'il va pouvoir contribuer à la société? Et donc, on a commencé à jaser avec d'autres parents qui avaient leur enfant était de cet âge-là. Puis, on a vite réalisé que tout le monde partageait le même souci, puis le même défi à long terme. Puisqu'on ne trouvait rien qui rencontrait nos besoins, où il n'y avait rien de disponible, on se disait, bon, ben, s'il n'y a pas de solution, il va falloir la développer nous-mêmes. Et oui, il faut leur donner un coup de main pour l'accessibilité à un logement qui rencontre leurs besoins, mais ça fait partie des besoins essentiels des individus. Donc, sans l'aide de programmes comme Accès Logis, ça devient impossible.